Bon frérot, là aujourd'hui on va aller rejoindre un abonné. Il a une KTM RC125, c'est une bonne petite 125 ça. Une bonne petite sportive. Il passait dans le coin, du coup bah je lui ai proposé qu'on se rejoigne. Du coup bah on va aller le voir, ça fait plaisir, j'aime beaucoup voir mes abonnés en vrai. Bon je suis un peu à la bourre frérot, je suis désolé. Fallait que je range un peu chez moi, avant de partir en tout cas. T'inquiète pas, je te mets pas un lapin, je suis pas comme ça. J'avoue que là, j'ai un peu la tête dans le cul là. De prendre la moto comme ça alors que t'as la tête dans le cul. Alors je viens pas de me réveiller hein, du tout. C'est juste que bon, genre je regardais un film à la maison tranquillement. Et forcément, vers toi. Forcément, bah, quand t'es à fond dans le film, tu sais, tu déconnectes un peu de la réalité. Et bah là, c'est exactement ce qui se passe. Genre je suis un peu déconnecté de la réalité. Et j'essaie de me réveiller là. C'est pas évident. Ça va ? Bah c'est gentil, toi aussi t'as la classe mon gars. Non, mais... Ben ouais. Bon désolé de mon retard. C'est bien, t'es bien équipé. Ah putain, les RC 125 ça c'est des bonnes motos ça. T'as quand j'étais en 125 ça c'était une de mes choix aussi mais bon. Après je suis plutôt parti sur la 125 à la fin mais... Enfin sur la MT mais... Ouais, ouais ouais. Ouais franchement ouais. Bon ça va, ça roule bien. Bon nickel, tu m'étonnes, c'est que c'est des Rosso 3. Je connais vite fait mais... Bon c'est une bien, vas-y montre le son un peu. Enfin juste comme ça quand ça tourne, après je l'entendrai quand on roule mais... Après à l'arrêt c'est pas trop de bruit. Ah ça c'est bien. Oh ça va ouais, putain on dirait comme ma MT. Comme ma 125, c'était pareil, même son. Ah ouais. Eh, c'est un beau son, moi j'adore. Franchement le bruit du mono comme ça c'est sympa. Après ça, du coup le fait que quand tu roules ça la grille un peu dans le sens... Enfin tu reconnais que c'est un 125 à la fin. Elle avance pas trop mais elle finit beaucoup quand même. Bah c'est une 125 hein, faut pas lui en demander au trop hein. T'as quel âge? 17 ans. Tu vas faire le A2 là bientôt? Bon nickel. Et ça fait combien de temps que tu l'as? J'ai permis depuis 3 mois. Ah ouais? Je l'ai eu avant mes 16 ans, mais je l'ai gardé dans le garage pendant plus d'un an. Oh là là. Parce que avec le Covid et tout. Ouais, tu pouvais pas la sortir, ouais. Bah tu vas pouvoir te faire la main tranquillement avec ça, c'est bien. Tu veux qu'on aille rouler? Ouais. Allez, vas-y. Bon, t'as de l'essence? Ouais. Je demande, parce qu'une fois j'ai fait une balade avec un abo. Je lui fais, t'as besoin d'essence? Il me fait, non, t'inquiète et tout. Il commence à faire des virages, mec, je suis en réserve. Je te fous ma gueule, là, on vient de passer devant une pompe à essence, là, tu pourrais pas me le dire? Bon, après, avec une 125, ça va quoi. Et presque 300 km. Et tu m'étonnes. Moi, je fais. Quand je roule fort, à 180 km, je suis en réserve. Et ouais, en gros, je dois tirer à 220 à peu près. 220, 230. Après, j'arrive pas à la réserve avec celle-là, je fais le plein tous les 160 à peu près. Ah, elle est énervée, hein. Elle est bien. Bon, t'es chaud? Vas-y. Allez, vas-y. Tu me suis? Ouais. Allez, nickel. Ok. Forcément, si elle met pas le clignotant, elle aussi. Oh là là, il s'est passé quoi là? Incroyable. Oh là là, choqué. Bon, on va pas faire le titre putaclic, aller demander ce qui se passe et tout. Il y a déjà des gens qui sont en train de téléphoner, tout ça. Mais la voiture dans le fossé là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Rouler avec des abonnés, je kiffe ça. Même si c'est des 125, tu vois, ça me dérange pas du tout, au contraire, j'aime bien. Après, les 50, bon, les gars, je suis désolé, hein, je vous aime bien, mais le problème, c'est, voilà, vous avez des motos qui montent pas forcément, dans la plupart, qui montent pas très vite. J'ai déjà roulé avec un 50, c'est un petit peu chiant pour vous comme pour moi, donc je préfère privilégier minimum le 125. Vas-y, on va faire un truc. Viens voir. Vas-y, on fait un truc. Donc là, on va aller tout droit. Tu vas passer devant et tu vas accélérer pour voir un peu comment elle marche. Ouais. Moi, je te suis tranquille, tu sais. Ouais. Vas-y. Bah, vas-y, tu peux y aller. Il vient d'avoir le permis. Enfin, il y a 3 mois. On voit un peu comment ça marche, ça. Voilà. Là, je le suis tranquillement. 100 km/h. 110. Franchement, ça marche bien, hein. Il est chaud. Ah, il roule bien. Allez, nice. Franchement, je suis choqué comment tu me colles au cul, même en 125. Quoi. Après, il faut faire attention là, parce que vu qu'il a plu récemment. Mais franchement, tu roules bien, je suis impressionné. Hein. Après, là, en sportive aussi, quand t'as pris le coup de main, tu t'éclates. Elle se couche toute seule. Grave, c'est ça. Et dans les virages, il n'y a rien de mieux, je pense.
Ah, c'est le top. Mais de toute façon, ça vaut rien dire la cylindrée. Hein. Franchement, là, je vois comment tu roules. Sortie de courbe, tu me crames ça. Ouais, ça, c'est normal. Mais franchement, en courbe, tu me colles de ouf. Hein. Genre, j'étais choqué. Je pensais qu'à un moment donné, j'allais pas te voir. Bon, après, je roulais correctement. Genre, je vais pas rouler comme un fou. Et là, j'ai la tête dans le cul aujourd'hui. Là, c'est pas bon ça de rouler fort quand c'est. Non, mais franchement, je suis choqué. Ça marche bien. Très bien, putain je suis choqué, il fait des bonnes trajectoires en plus. Ça fait plaisir de voir un jeune qui s'est roulé. Bon, t'es rentré un peu tôt dans la courbe. Mais ça va encore. Les virages, il les passe presque tout aussi vite que moi qui est en 900 alors que lui il est en 125. Bon après je suis pas un pilote non plus. Hein. Genre je suis pas un mec qui roule super fort non plus donc c'est pas compliqué de faire mieux que moi. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos et tout ça que je suis meilleur que les autres, hein, pas du tout. Hein. Il y a même, je suis sûr, des abonnés qui en 125 qui me dégomment dans les virages. Hein. Lui, il a un bon niveau déjà. Hein. Fouf. Tu m'impressionnes, hein. Franchement, tu roules bien. Hein. Non, c'est bien. Oh là là, la légèreté de la moto, quoi. L'habitude, moi, plus l'habitude du tout, même. Oh, je suis choqué, ça braque pour une sportive. Hop là, non, putain, tu dois tellement t'amuser avec ça. Putain, j'arrive pas à l'attraper. Ta vie, ah, si, c'est bon, mais tu te régales avec ça. Le son, il est génial, c'est léger, ça se. Franchement, ouais. Putain, ça me rappelle quand j'avais ma 125. Un peu nostalgique, je t'avoue. Ouais, tu sais, quand je te disais qu'il y avait une RC qui se baladait, bah, c'était lui. Ah, je sais pas ça. Non, je crois qu'il a une Acra. Hein. Pareil, ouais, qu'il y a une RC comme ça. Ça, c'est une 125, ça. Ah ouais, ouais. Eh, on dirait pas, hein. Bah on dirait une 300, 300, 500. Ça aussi c'est une 125. Elle est vachement plus haute que la MT-07. Hein. Allez. Pff, non, non, c'est pareil, hein, c'est juste que la position elle est plus droite en fait. Hein. Testé, là, je suis monté dessus, c'était pas pareil. De quoi, la 07? Ouais. Tu m'étonnes, ouais. La position elle est un peu plus comme ça là. Ouais. Bon après, moi je préfère quand c'est plus droit, là t'es plus posé. Rouler, là. Hein? Vous allez aller rouler? On a déjà roulé un peu là. Mais ouais, pourquoi pas, on verra. Elle a un joli son. Rassemblement et tout. Eh, ça va finir en rassaut, mon gars. Finir avec les flics qui viennent. Grave, non, c'est bon. C'est pas pour moi, ça. Ouais, elle fume son truc, là. Ouais. Il y a un petit souci, là. Vous êtes bridé, vous, là? Moi, je suis quitté. Ouais, toi, ça se voit, toi. Il n'y avait pas besoin de le dire. Tu m'étonnes. Ah, ça gronde, hein. Ouais, ouais. La vis, elle est claquée, en fait. Genre, faudrait soit que j'enlève la vis carrément, mais je peux pas remettre la chicane. Parce qu'en fait, c'est le pas de vis qui est mort. Du coup, je la laisse, comme ça, les flics, ils font pas chier. Allez, on y va.